Salut à toutes et à tous, merci d'être là pour ce quatrième match de la Coupe du Monde féminine. Au micro, Hervé Matou. Hervé Matou. Salut Hervé Matou. Ça fait plaisir. On se retrouve, vous l'avez vu en miniature de la vidéo. Oh la vache, les maillots sont vraiment assez trop similaires. La France contre l'Australie, bah voilà, il vient de le dire. Oh punaise, ah ouais les maillots sont... Oh c'est insupportable, c'est un verre d'eau qu'elles ont un peu. Voilà, c'est parti, on rentre officiellement dans les choses sérieuses. Oh la vache, mais non, elle est marquée. Elle est pas avec moi, elle. Oh, ok, nous c'est un peu plus foncé, donc ça va, mais vraiment, je vous assure, c'est chaud. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ok, les Australiennes, voilà, c'est contre elles qu'on joue actuellement et qu'on va les battre. La frappe, mais. Ok, première frappe. Dommage dans ces 5 premières minutes, on aurait pu déjà prendre l'avantage. Mais c'est pas grave, puisqu'on va le faire maintenant. Non. C'est contré par la gardienne, ouais. Oh la vache. C'est complètement raté. Attention. Oh la vache. C'est repoussé par la gardienne, ça joue. Non. Le tacle décisif dans sa propre surface. Oh la vache. Oh la vache, quel match assez chaud à ce début. Enfin, assez chaud pour nous, mais non. J'ai cru que c'était avec moi. Oh la vache, ah, ça va être compliqué. Je sais pas si on peut changer les maillots en cours de partie, je ne crois pas. Hein. Je crois qu'une fois que ça a commencé. Oh la vache. Oh là, je l'ai poussé. Non. C'est des vies, ce sera donc un... Oh, le peuple australien qui est là en train de encourager ses joueuses, ça fait très plaisir. Et j'ai enfin pouvoir vous annoncer également qui est arrivé en seconde place de notre poule. Et vous allez le voir, c'est assez surprenant. Oh, qui allons-nous peut-être affronter? Donc là actuellement on affronte l'Australie. Bon ça c'est bon, vous le savez, hein, ça se voit. Oh la vache, Comme si j'aurais cru les voir en jaune. J'aurais cru qu'elles auraient joué en jaune. Pour être honnête avec vous. Ok, donc elles ont fini deuxième de leur poule. Je crois qu'elles étaient avec l'Espagne, mais je suis pas sûr. Il y a l'Espagne, les États-Unis qu'on risque d'affronter. Ou c'est l'Allemagne, qu'elles étaient peut-être avec l'Allemagne. Il y avait l'Allemagne aussi qui était assez fort. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Voilà, c'est un peu ces noms-là qui risquent de ressortir dans nos prochains matchs. Si on arrive à avoir de prochains matchs, puisque si on perd, on perd, c'est fini. Non, j'y croyais. Oh, la belle intervention, oh, magnifique. Oh la vache. Oh la vache, par notre capitaine en plus. J'aimerais bien. Ah non, on n'a pas pu revoir. Ah, j'aurais voulu revoir ça. Voilà, on va essayer de gagner un petit peu. Ouais, bien vu le centre en retrait. Ok, parfait. C'est encore pour nous normalement. Ok, on va y aller tranquillement. Maintenant, fallait s'y attendre. Oh, c'est dangereux. Oh, sur la barre. Non, je pensais qu'elle allait pouvoir la reprendre. Ok, doucement, c'est pour nous, on fait la passe. Ah non, il n'y a personne, vraiment. Allez. Non. Je te chope le ballon, moi. Oui. Oui, voilà. Voilà, notre défense, c'est plus de l'émental. C'est ça qu'on veut. Merde, t'es pas avec nous, toi. Oh, je voulais faire la passe encore une fois à une défenseuse adverse, du coup. Bon, allez. Il est temps de vous dire qui vient avec nous en phase de finale. Qui est avec nous parmi ces 8 équipes sélectionnées qui étaient dans notre groupe. Donc, je vous rappelle notre groupe. Mexique, Brésil et Belgique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les trois matchs d'avant. Donc, nous avons gagné les trois matchs précédents. Assez haut la main, vraiment. Hein. Surtout contre le Mexique. Voilà, n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vus. Et justement, je vous rappelle, avant notre match contre le Brésil, le dernier match de poule, le Brésil avait gagné 0 match. Le Mexique et la Belgique avaient gagné un match respectivement chacun. Et c'est le but là. Allez. Oui. Dis-moi que c'est pas hors-jeu. C'est pas hors-jeu. Oui, on l'a gagné. On a mis ce premier but. Oh, c'est la classe. C'est la classe. On a 3 étoiles. Yes. On va chercher la 4e étoile du coup. Ça fait plaisir. J'ai pas vu la fin du but. Mais c'est pas grave. Allez, on y va là. On y va, c'est pour nous là. Allez, on leur met la pâtée là, la misère.
Faut qu'on gagne absolument. Faut qu'on aille en finale, hein, moi je vous le dis. Pas la petite finale, vraiment la vraie finale. C'est ça que je veux. Non. Mais ça va pas être facile, hein. Ça risque d'être plus dur que les matchs précédents. Voilà, donc voilà. Donc il y avait la Belgique ou le Mexique qui gagnaient. Enfin qui ont gagné un match. Donc c'était voilà. Le Belgique est resté à 3 points puisqu'ils ont perdu leur match. Et c'est le Brésil. L'action qui se poursuit. J'ai dit le Belgique, la Belgique. Allez, on y va, attendez. Allez, on va marquer. On marque et ensuite je vous dis. Oh non, j'y croyais. Oh j'y croyais, c'est vrai. Ça leur aurait cloué le bec. Ça aurait été vraiment génial. Allez, petite combinaison. Allez, petite combinaison. Oui, ouais, la tentative. Allez, oh, non, toujours pas. Ok. Superbe. Bref, c'est le Brésil qui a gagné le match face au Mexique. Ce qui fait que les trois équipes ont gagné un match chacun. Et les trois équipes se sont retrouvées avec trois. Avec un tir. Non. Dévié par qui? Corner encore? Ça sera donc un encore un corner, ouais, c'est fou. Ce qui fait que les trois équipes sont à 3 points. Sont à 3 points. Elles se sont donc départagées au goal à virage. Ouais, bien joué. Ce tacle dans la ah oui, il faut que je vous donne le score aussi de combien a gagné le Brésil. Le Mexique a mis 1 point. Et les Brésiliennes ont marqué 4 buts. Elles ont fait 4-1 et bien entendu c'est elles qui se sont qualifiées. C'est le Brésil qui avait le moins de chances de se qualifier pour les phases finales puisqu'il suffisait que la Belgique gagnait ou faisait égalité avec nous ou que le Mexique faisait égalité ou gagnait face à leur match. Eh bien elles ne pouvaient pas venir mais au goal à virage, c'est le Brésil qui a encaissé en gros un total de 0 points. C'est-à-dire qu'elles ont marqué 7 buts, les Brésiliennes, et en ont encaissé 7. Alors que la Belgique a un total de moins 2, et que les Mexicaines ont un total de moins 5. Bah, c'est nos 5 buts qu'on leur a mis en tout début de Coupe du Monde, en fait. Allez! Non, punaise! C'est pas possible! Ah non, c'est la fin! C'est la fin de cette première mi-temps! Déjà! C'est passé super vite! C'est passé super vite! Ok. Ok, ok. Donc voilà, le Brésil que vous pouvez voir qui est à égalité avec les États-Unis. Donc je vous ai parlé, hein, Espagne, États-Unis, Allemagne. Ah, je crois qu'il y avait l'Angleterre. Non, l'Angleterre n'a pas été qualifiée. Portugal et Norvège. Voici nos 6 concurrents. Et un des 6 sera notre prochain adversaire si on remporte ce match. Début à l'instant de la ce qui n'est pas encore gagné, va falloir se concentrer un petit peu là. Allez, yes. Oh, c'est l'interception. Allez, on y va. Attention, ça peut devenir intéressant. C'est parti, on y va. Elle est fatiguée là ou c'est moi Dali là? Quelque chose à faire de bien. Allez, c'est ça qu'on veut. On revient sur le terrain et on met un deuxième but. Oui, oui, ça fait plaisir. Oui, oui, arrête d'embrasser la caméra. C'est l'épisode où elle embrasse la caméra, vraiment. Avec la puissance à la fin. Oh la vache, ça fait plaisir là. Amandine Henry, capitaine des Bleus, qui nous régale ce soir. Ce soir ou cette journée ou maintenant quoi. Alors vous regardez le match en fait. Oh non 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 non. Oh la vache. Y'a pas faute. Mais non 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 non, c'est quoi ça? Non. Oh, mon cœur a cessé de battre. Mon cœur a cessé de battre. En route pour la 4e étoile là. Hein. C'est parti. Allez, vas-y. Non 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 non. Si quoi que. C'est pour nous? Oui, c'est pour nous. Allez, on va garder le ballon là, voilà, et on attend. Non, je déconne. Allez, les Bleus, vous entendez vous aussi le chant des supporters qui fait chaud au cœur. Ok. Oh la vache, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Oui. Oui. C'est pour qui? Ah, c'est pour elle, c'est pour elle. C'est pour les Australiennes. Allez, on y va, on se concentre. Ce serait bien stylé d'avoir une finale France-Brésil. J'aimerais beaucoup, ce serait marrant. Allez, c'est ça qu'on veut. Attention. Oh, 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 punaise, oui. Oui, 3-0 par Dali.
Oui, on va voir le ralenti juste ici. Et elle tire là. Bon. Oh la vache. La goal line faille de l'intercepter. Mais on l'a eu 3-0. On domine ce match 3-0. Bah là. Alors là, ça fait super plaisir. Hein. On y va. Faut qu'on gagne cette Coupe du Monde. J'ai envie de gagner cette Coupe du Monde. Ouh, il n'y a pas eu faute. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir dribbler un peu ou pas? Voilà, le mieux ce serait peut-être de dégager. Voilà. Allez, elle va marquer. Oh la vache. Ok, non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est la honte. Oh, c'est la honte. J'ai voulu la faire accélérer et elle a pas réussi à accélérer. Peut-être parce que elle a moins de vitesse que les autres. Oh là là, oh, c'est nul. Oh, c'est nul. Si ça me coûte la victoire, vraiment, ça craint. Mais non, mais je suis... Oh là là, j'ai cru encore que c'était... J'ai du mal avec les couleurs, là. Hein. C'est pour ça qu'il demande... Est-ce que vous aussi, vous avez du mal avec les couleurs ou pas? Est-ce que ça rend pareil en vidéo? N'hésitez pas à me le dire, je suis curieux, parce que moi, vraiment, c'est un enfer pour jouer. Hein. C'est chaud, hein. J'ai rarement vu aussi compliqué à jouer. Arrête. Ah vache, ça nous met un autre but. Je vais m'en vouloir hein, d'avoir joué avec ma goal. Hein. C'est fini, on joue plus avec la goal, voilà. On a assez fait les idiots. Voilà. Allez, doucement, on y va. Hey, j'arrive plus à les percer, à percer leur défense, là. Mais punaise! Bien récupéré grâce à ce tacle. Ouais, oh mais non, mais dessus. Va en défense, va pas à gauche, toi. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh là 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 là, ça va, ça passe loin. Ça passe loin, ok. Prendre les risques quand on est ok, comme ça, voilà, façon, elles ont fait encore des changements. Ça fait beaucoup là qu'ils ont fait des changements, non? Les intentions de l'entraîneur sont claires. Ils cherchent à égaliser à tout ok, coup. Et nous aussi d'ailleurs, on va faire des changements maintenant. Pendant qu'on a le ballon, c'est parti. Ok. Cette fois-ci, on va faire... voilà. Contrairement au précédent match où on jouait contre la Belgique, où j'ai voulu assurer le score. Là, c'est pas le score que j'ai envie d'assurer. Enfin, si, j'ai envie d'assurer le score, bien sûr. Mais j'ai envie de faire reposer Dali et Karchaoui. On va faire un double changement pour ce début. Et ça va nous permettre d'avoir des joueurs en forme, en pleine forme. Et puis peut-être de remporter la victoire. Enfin, même de remporter la victoire. Là, c'est le but. Allez, Amandine Henry. Allez, Amandine Henry, c'est pour toi. Mais non, punaise. Punaise, c'est pas possible. Non, vraiment. Bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Oui. Oui, ça a marché. Oui, ça a marché. Attention. Allez, viens là, Dali. Dali, allez, c'est ta dernière course là. Allez, viens là. Doucement, non. Tacle impeccable. Parfait. Touche à suivre. Ok. Allez. On s'en va, les filles. C'est ça. Non. Mais non, mais c'est pas possible. J'ai l'impression de faire plein d'erreurs. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Allez. Les bleus. Non. Non. Bon, attention, c'est pas fini. Doucement. Calmate. Ok. C'est-à-dire, calme-toi, je crois, en espagnol. Je crois, hein. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Allez, on y va, Cascarino. Oh, j'aurais dû la changer. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Allez, le ballon en retrait. Non, j'y croyais là. Les buts magnifiques. Allez, on y va. Allez, c'est pour nous là. C'est pour nous, on y va. Il y a un bon coup à jouer. Oh, oui, je suis déjà dans le truc. Oh, ça peut faire but. Oui, oui, j'ai but ou pas? Ou hors-jeu? Non, oui, punaise. C'est bon, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les filles. C'est ça qu'on veut. Allez. Le 4-1. Oh là là. Oh, j'ai envie de revoir ça de plus près. On peut. Vas-y, là. Oh là là, c'est beau le sommeur là. Eugénie le sommeur. Il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle. N'hésitez pas à me rectifier. D'ailleurs, si vous avez des informations complémentaires à apporter sur cette chouette équipe de France ou même nos adversaires hein, de la Coupe du Monde, hein, comme les Australiennes par exemple, eh bien n'hésitez pas à le dire. Voilà, ça me ferait plaisir. Voilà. Pas énormément plaisir, mais un peu plaisir quand même. Oh punaise, non, je croyais qu'on allait avoir le ballon. C'est pas fini. Pas bien dégagé ce ballon. Oh la vache. Oh la vache. Ok, doucement. Allez, la contre-attaque. Attention, la contre-attaque. Ah, le contre un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Allez, c'est pour toi.
C'est pour nous. Là, on va faire la passe au goal et on va pas faire de bêtises. Voilà, hein, pas comme tout à l'heure avec en la passant au goal comme une débile. On va mettre Laurent à la place de Cascarino qui a fait un super match, hein, qui nous a emmené le ballon de la défense jusqu'à marquer, hein, assez facilement. Facilement, non, c'était pas un match facile, mais voilà, 4-1. 4-1, ça fait plaisir. Ah non, ben. Torrent. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Une passe à 10, ouais, c'est vrai, ça nous permet de gagner du temps, hein, je t'avoue. Oui, attention. Non. Bien défendu, le danger qui n'est pas. Non, hors jeu. C'est quoi? Hors jeu. Ah punaise. Dommage. Allez, ciao les filles. Allez. C'est bien aligné. C'est ça qu'on veut. Ah, sur le banc de touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Allez, Cascarino, merci d'avoir participé. Ivy Week. Et maintenant, on prend Torrent ou Laurent, je sais plus, Laurent ou Torrent. Allez, c'est ça qu'on veut. Ah, c'est pas ça qu'on veut. Allez, là-bas. Oh non. De temps additionnel, ce n'est pas énorme. Oh la vache, oui. C'était bien ça. Attention, ça peut devenir intéressant. Allez, Laurent, qui a plein d'énergie. Ah, la belle occasion. C'est pour qui là? C'est pour nous ou pas? Ah non, c'est revenu dans nos pattes. Dommage. On est à la fin du match. 20 secondes pour marquer un but. Oh non, c'est fini. C'est fini. Mesdames, messieurs, les autres. La qualification de son équipe. Oui, nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Nous étions 8 équipes, nous passons à 4 équipes. Et on va voir le résidu du match comme d'habitude. Qui n'a pas été facile parce que le premier but. Voilà. Oh la vache, elle a sauté sur le goal. Oh là là, ça fait plaisir. Ouais, je m'applaudis. Hein, ça fait super plaisir. 4 buts à 1. 4 buts à 1. Ouais, ça fait très plaisir. Vous voyez la numéro 19 qui tire. Est-ce qu'elle marque ou pas? Non, il y a un super arrêt là dans ce truc. Voilà, on a battu les Australiennes. Voilà. Est-ce que les Brésiliennes ont réussi à être en demi-finale? Ah là, c'est un nouveau but encore, je crois. De la capitaine, le deuxième but. Oui, ça fait plaisir. Ça faisait très plaisir. Bref, un très beau match ici. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cet épisode, ce match. Voilà, on se retrouve pour le 5e match et j'espère l'avant-dernier, si tout se passe bien. Ah bah de toute façon, c'est l'avant-dernier puisqu'on va aller dans tous les cas. Là, on va être 4, on est dans les phases finales, les phases demi-finales. Et on aura la bébé finale, la finale des perdants, je crois, si jamais on perd pour la 3e place en gros. Mais le but, c'est d'aller en finale et de décrocher cette 4e étoile. Alors merci à toutes et à tous de nous suivre, de suivre cette équipe de France féminine qui fait plaisir à voir et qui va gagner la coupe, je l'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Vioane. Salut. Oh là là, il ne faut pas la perdre à cet endroit. Marquage trop laxiste, attention. Oh bien sûr, il n'y avait plus qu'à pousser le ballon. La cage avait été désertée. Oui, il y a un bon coup à jouer, elle a du soutien. Oh, ça peut faire but. Oh oui, but!